Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est en petit voyage, donc on va passer toute la journée en route jusqu'à notre destination. Et bien sûr, on va s'arrêter dans des stations essence pour manger et on s'est dit que pour pas que ça soit ennuyeux, on va faire un petit challenge. Donc on va faire 24 heures en mangeant de la nourriture qui vient de la station essence. On ne va pas juste s'arrêter aux stations d'essence et on va prendre tout ce qu'on veut à manger, non. On va faire des petits mini challenges. Donc là, par exemple, premier round, le petit déjeuner, on va faire une sorte de challenge une seule couleur. Donc Daniel va choisir une couleur pour moi, une couleur pour Amélia. Il faudra prendre de la nourriture de cette couleur. Elina, est-ce que c'est la couleur de la nourriture ou la couleur de l'emballage? Ben, l'emballage de nourriture, parce que je pense que dans une station d'essence, genre, c'est difficile de trouver, par exemple, un aliment de couleur rose. Donc on va faire plus simple, on va prendre emballage. Daniel, choisis du coup la couleur pour moi. Toi, tu auras du bleu et Amélia, elle aura du vert. Okay. Bah allez, c'est parti, on s'est déjà garé dans une station essence. Du coup, la station essence, elle est petite. Mais j'espère qu'il y a du choix et que je pourrai trouver un bon... Et j'espère que je vais trouver un bon petit déjeuner parce que j'ai un peu faim. Et surtout, il faut que je trouve un petit déjeuner bleu. Alors, là j'ai cherché ma boisson, il n'y a que des boissons énergisantes qui sont bleues. Voilà, là le Red Bull, là, que des boissons énergisantes et j'aime pas trop ça. Du coup je vais prendre du Capri Sun. Et juste à côté il y a les chips, c'est parfait. Là en fait c'est du sel et du vinaigre, j'aime pas trop. Genre j'aime pas du tout le vinaigre. En chips du coup je prends ça. C'est goût nature. Après, il y a quoi? Mais t'imagines même pas de... C'est à mon tour de choisir. Du coup, j'avais vu un rayon vert. Franchement, il est fait exprès pour moi. Qu'est-ce que je peux choisir? Là, ils sont bio. Je pense que eux, ils seront parfaits. Voilà. Du coup, où il y en a? Oh, regardez, il y a des sandwichs ici. Ouais, je pense que je vais prendre poulet rôti, j'aime bien ça. Du coup, attendez, comment on ouvre? Hop là! Franchement, j'aime bien le poulet rôti, c'est vraiment trop bon. Ça, c'est à toi. Ça, j'ai pris des chips pour grignoter, parce que je vais pas prendre pour le petit déjeuner des chips. J'ai pris un sandwich, je pense que je vais en manger qu'un seul parce que le matin j'aime pas manger beaucoup. Et un capuchon. Je suis trop contente parce que c'est sandwich avec le pain suédois et j'aime trop ça. Je vous ai déjà montré ce que j'allais prendre. À part ça, j'ai rajouté ceci. Franchement, j'aime trop, c'est des sortes de pain. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais manger pour le déjeuner et qu'est-ce que je vais grignoter. Donc je pense que je vais en manger un. Bien sûr, il faut toujours s'hydrater. Et des chips que je vais aussi partager avec Daniel. On veut un? Voilà. Mon petit déjeuner, je le kiffe. Est-ce qu'on a respecté les couleurs? C'est qui a le plus gagné? Moi. Voilà. Allez, on mange, bonne route et on se retrouve pour le midi, pour le déjeuner. Là, il est midi, donc on doit prendre notre déjeuner. Et regardez, il fait pas super beau. Genre, il n'y a pas de soleil, quoi. Il n'y a que des nuages. Et du coup, là, le challenge de ce deuxième round pour le midi, c'est que Amélia, tu dois acheter mon repas et moi, j'achète ton repas. Ok. Il faut que le repas soit intéressant. C'est Daniel qui va valider s'il est intéressant ou pas. Oh, moi, je vais t'acheter un truc pas très beau, mais bon. Moi aussi, je t'ai acheté plein de trucs dégueulasses. Allez, on va voir. Il va. Regardez. Alors là, elle est là, la station est dans l'essence. Voilà, il y a Daniel. Là, on est arrivé à la station essence. Regardez, il y a plein de drapeaux.
Amel, devine les drapeaux. Allez, on va voir si t'arrives. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi comme drapeau? Ça, je crois que c'est la Pologne. C'est la Pologne. Pologne? Bah, Pologne, c'est nos rouges et noirs et blanches. C'est blanc, rouge. Bah, c'est blanc et rouge. Ben non. Le haut, il va dire où? Là, c'est la France. Bah, regarde. Là, t'as oublié. C'est la France, c'est juste les baies, c'est bizarre. Ça, c'est la Suisse. Ça, c'est l'Allemagne. Elle est là, la France. Non, elle est là, la France. Elle est là, la France. Ah, mais c'est écrit derrière. Allemagne, ben voilà, j'avais raison. Suisse, j'avais raison. Ah, c'est Pays-Bas. Voilà, c'était pas Danemark. La Pologne. Autriche, voilà, j'avais raison. Voilà, j'ai toujours raison, de toute façon. Mais voilà, c'était même pas la Pologne. Dans cette station essence, il y a un mini restaurant, donc il y a de la viande, du poisson. Bon, moi ça m'intéresse pas trop parce que je dois étonner Amélia pour son repas de ce midi. Donc on va chercher dans les rayons. Comme d'habitude, il y a des mini souvenirs dans les stations essence. Moi j'aime trop les plaques d'immatriculation. Alors qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que je peux l'impressionner, tu vois? C'est un truc que j'ai vraiment l'impressionné. Mais qu'est-ce qu'il y a? Par contre, là, il y a du pain noir en vrai. On n'a jamais goûté ça. Je sais vraiment pas quoi prendre. Hein. Il y a beaucoup de choix. Et il y a le colis déjà. Mais en vrai, je peux lui prendre des nouilles. Hein. Du coup, on va prendre quoi? Voilà, je sais pas comment elle va manger, mais au moins ça va l'impressionner quoi. Vas-y. Alors regardez, j'ai jamais vu des sandwichs comme ça. Alors c'est avec du pain noir. Voilà. C'est du pain, pain nordique. J'ai jamais vu ça, je crois qu'Amélie elle a jamais goûté. Donc on va lui faire goûter. Soit c'est du saumon, soit poulet rôti. Bon, je vais prendre poulet rôti. Alors après, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Oh, mais ça, je... Voilà. Ça, avant, quand j'étais à l'école en primaire, tout le monde avait ça pour le goûter. Et moi, j'ai jamais eu, j'ai jamais goûté. Donc, ça sera la chance pour Amélia de goûter. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pris ça. Après, qu'est-ce qu'on va lui prendre? Là, je vais lui prendre un smoothie. Voilà, banane, mangue, passion. Je pense qu'elle aime bien. Oula, framboise, fraise et myrtille. Et en plus, je vais prendre une soupe à la tomate. Vas-y, attendez. Je vais choisir. C'est là, j'espère. Il est où, super? J'attends. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est joué. Donc là, on s'est posé sur la table. Je vais te montrer ce que je t'ai acheté pour midi, ok? Alors, en entrée, je t'ai pris une soupe. Tomate. J'aime bien. Après, pour le repas. Tiens. Oh, j'ai jamais goûté avec du pain. Ça, c'est le plat principal, t'as vu? Le pain, il est noir. C'est du pain de nordique. Poulet rôti, ah ben. Nickel, ouais, j'aime bien le poulet rôti. Ça a un smoothie. Ça a quoi? Oh. Banane, mangue et banane, mangue et fruits de la passion. Et ça, c'est les compotes qu'on voyait tout le temps à la récréation en primaire. Et moi, j'ai jamais goûté et t'as jamais goûté. Je me rappelle. Non, j'ai jamais goûté, mais j'ai toujours des amis qui avaient ça. Donc, tiens, comme ça, au moins là, tu peux goûter. Et pour le dessert, je t'ai pris du fromage blanc, citron et myrtille. Mais comment ça, le fromage blanc? Ouais, du fromage blanc. Mais tu sais du comme le yaourt, Amélia? Ah, ok, on va goûter. Elle sait pas c'est quoi du fromage blanc. Du coup, moi, je sais très bien que t'aimes bien les nouilles. Du coup, je t'en ai acheté. Comment tu veux chauffer? Mais bien sûr, j'ai tout prévu. Ta-da-da-da, de l'eau bouillante. C'est eux qui t'ont donné à la caisse? Je suis choquée. Maintenant, je vais juste... Avec ça, dedans. Faut que je mette ça après ou de maintenant? Maintenant, on va ensemble l'eau. On met l'eau. Là, j'attends que ça bouille. Du coup, je t'ai acheté quelque chose à boire. Regarde. Il y a des carottes.
Mais citron, c'est carotte. Citron, carotte et à l'orange. Ok, on va goûter ça. Bien sûr, une salade. Ah, j'ai trouvé salade en plus. Les rôtis et c'est César. Ok. Et comme tu m'as pris de plat ou quoi? Et comme dessert. Et comme dessert, il y a ça, une compote à la mangue, aux fruits de la passion, pommes, ananas, et ça je sais, à la pastèque, ouais. Mm-hmm. Et des Oreos. Moi avec j'aime pas trop. Des lettres. J'aime pas trop Oreos. Est-ce que j'ai réussi à te détonner avec mon repas? Ouais. Bon, moi je m'attendais pas à une soupe quand même. Mais bon, Daniel, tu penses que c'est qui a gagné cette fois-ci? Elina ou moi? Encore moi. Non, ça va pas du tout. Ce... Tu préfères Amélie en fait, dis-le, avoue-le. De toute façon, t'as été adoptée. C'est vraiment bon. Mmh. On mange et c'est reparti. C'est bien chauffé. Pour le trajet. Après, on va faire le repas du dîner. On va pas faire le goûter parce qu'on a déjà acheté des chips avant pour grignoter. Et on n'a pas super faim, donc bon, on va attendre jusqu'au dîner. Pour aller à la station d'essence et s'acheter à manger. C'est quoi le prochain challenge? Je sais pas. Moi je pense que c'est ne pas dépenser un budget de 10 euros. En vrai ça peut être ça. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days. Donc là c'est bientôt le dîner, il est 19h26. Moi j'écoute de la musique. Et toi Mel? Pareil. Et quoi comme musique? Du Eminem. Eminem. Ouais, j'écoute Taïk, Toxic Boy. Voilà. Moi je fais rien. Tu fais rien? On a remarqué que dans les stations essence, la nourriture elle est largement plus chère. Donc on a décidé de mettre un budget de 10 euros qu'il faut pas qu'on dépasse. Il faut qu'on achète surtout un plat et une boisson. Après si t'as assez et que tu dépasses pas 10 euros, tu peux acheter un dessert et même une entrée. D'habitude pour le dîner je ne mange pas beaucoup, donc mon habitude elle va pas changer. Là j'ai 10 euros et je pense que c'est suffisant pour acheter un plat et une boisson. Comme dans toutes les stations essence, il y a des beaux souvenirs, regardez. Je vais prendre cette salade de riz que j'ai déjà mangée, j'avais déjà goûté, elle est super bonne. Dans cette station essence, elle est à 8,60€. Et la dernière fois que je l'avais achetée dans ma ville, je crois qu'elle était à 6€. Donc c'est un peu cher quoi. Donc pour station essence, c'est plus cher que dans un vrai magasin. Genre l'eau là. Alors j'ai pas trop envie d'une boisson gazeuse, donc je vais prendre de l'eau. Grande bouteille de cristalline, elle est à 1,70€. Bah dans ma ville, elle est à 50 centimes, même pas. Du coup, j'aurais pas assez. Ah si, il y a une format petite bouteille de cristalline à 1,20€. C'est parfait, je vais la prendre, mais c'est quand même abusé parce que dans les magasins banals, c'est 18 centimes, même pas. Voici le dîner que je dois faire de 10€, donc c'est parti. Voici la station essence. Donc on verra qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors là-bas, il y a des choses à manger, des petits sandwichs, des goûters. On va voir d'abord qu'est-ce qu'il y a ici. Donc je pense que cette fois-ci, on va acheter des chips, pas trop de sucreries, pour vraiment un truc à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Des sandwichs peut-être. Soit on peut acheter des pâtes, tu vois. Sauf que là aussi je suis encore indécise. Je sais pas si je prends à la bolognaise ou soit au lardon. Bon, je pense que cette fois je vais prendre ça parce que j'avais déjà goûté et c'était bon. Alors que là je sais pas vraiment si c'est bon. Et je vais demander bien sûr un réchauffé et c'est à 9€. Du coup je pense que cette fois-ci je vais acheter de l'eau. De l'eau, ça coûte 2€. Bah de l'eau simple, parce que moi je veux de l'eau pétillante, mais c'est à 2€. Non, j'aurais pas assez, c'est vraiment de l'eau simple. Alors, le total ça a fait 25,84 centimes. Donc il y a quelqu'un qui a dépassé son budget. D'accord, Daniel, il a acheté un livre, il a acheté un livre Marvel qui était à 5,95€. Donc il y a quelqu'un qui a dépassé de 15 centimes. J'ai dépassé de 19 centimes. À 19 centimes. Moi, j'ai pas dépassé, c'est moi qui ai gagné ce round. Donc, ça fait combien?
2-0. 2-1. Non, parce que pour le deuxième round, moi je pense que ça compte pas parce que j'ai fait le truc le plus original. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire c'est qui a gagné dans le premier, deuxième et troisième round. Comme ça on va savoir. Pour un budget de 10 euros, j'ai presque rien en fait. J'ai de l'eau et un plat. J'ai pas d'entrée et j'ai pas de dessert. Après moi ça me convient parce que c'est le dîner et je mange pas beaucoup lors du dîner. Mais voilà ce que je peux avoir pour 10 euros. Et Amélia qui a dépassé le budget, mais quand même ça fait 10,19€. Alors qu'est-ce que t'as pris? Bah, des pâtes et de l'eau. C'est aussi simple, mais comme Elina, je mange pas beaucoup le soir. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Donc voilà, on a fini ce challenge, on va manger et on va continuer notre route jusqu'à notre destination finale. On vous fait des gros bisous. J'espère que vous avez bien aimé, on va dire, ce petit vlog, même s'il était un peu court. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bisous.